Ça passait devant l'ambassade États-Unis. Il est intéressé que m'aborder avec nous. Mais et moi-même, pas oublier non, moi pas jamais abordé rien avec émotion. Et grand phrase m'a répété pour nous. C'est l'émotion suspend d'emblée le raisonnement. Et moi-même, pas prêt à aborder dossier avec émotion, moi, un peu mon abandon, mais m'oublie quand même garder la avec. Maintenant, on juste dit qu'il y a un ensemble de monde qui décidait et allait devant l'ambassade États-Unis pour que, yo, devant l'ambassade américaine pour que, ils fait passer et message par rapport justement à victimes et victimes de, si vous voulez, insécurité. Deux, et l'État pays, et comme vous-même, n'êtes pas ambassade des États-Unis, vous avez un pile pour que vous ayez, là, ça va passer dans le pays, mais vous juste dit tout, forcément, là, il y a le fait message à passer. Et ce matin, moi, une vidéo qui a circulé en boucle sur les réseaux, côté que vous avez un citoyen qui a demandé pour que Mounio continue venir devant l'ambassade là pour que yo délivre message là à États-Unis pour demander yo pour que yo parle avec dirigeants haïtiens puisque yo dit c'est yo responsable. Maintenant, ça qui dérange un peu le monde, c'est la brutalité policière et par rapport à un ensemble de monde qui est devant l'ambassade là. Et justement, c'est de ça et on va parler, on va réagir sur. Pour moi, et presque pas gagné trois prisons qui a justifié et brutalité policière par rapport à un ensemble de monde et qui viennent devant l'ambassade là et viennent on chita etc. viennent parler avec ça. Il y a deux monde et tout carrément qu'a juste dit ah mon cher yo estimé policier si moussayo et yo méchant pile parce que et, ouais pas aucun moyen pour que yo fait usage de gaz devant et ambassade là parce que gen ti moun gen femme enceinte ba on ça ya à première vue et en pile moun c'est comme ça va bon OK tout comme tout gen deux moun qu'a juste dit oui, pas un problème non que moun yo al devant ambassade là pour que yal délivre message yo, mais après ça faut ta libérer espace ça puisque son espace et one entre sorti ba comme ça États-Unis pas jamais d'accord que image ça et one c'est li a vendre et par rapport à ambassade américaine. OK. Qui te m'dit? Moi-même, moi pense que le gagner un groupe de monde qui inoffensif et qui entre guillemets sans défense, un ensemble de monde qui vraiment pas représenté un danger et imminent, un ensemble de monde et qui pas des âmes dans main, un ensemble de monde ouais qui pas violent, ben comme ça, parce que quelque part vraiment pas gain absolument aucune raison valable pour que et gagne une brutalité policière qui exerce à l'encontre de moun sa. Mwen kwèm pas vraiment gagne. Sauf que moi m'bap di que moun yo ka occupé indéfiniment espace et devant ambassade américaine. Pa va di ça. Est-ce qu'on a empêché moun yo al délivrer un message devant l'ambassade là? Est-ce qu'on a empêché que moun yo gen de bay yo besoin faire passer ou faire passer? Parce que si yo estime que c'est là pour que one yo fait passer message pour que yo joigne au résultat, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, écoute, y a un cap juste dit, si ambassade et okay, si ambassade là va laisser arriver, si autorité américaine ne va pas arriver, mais il y a des gens qui ont juste dit, ah, ben juste son gens et pas entrer dans le problème qui est en Haïti, ou bien tout au moins, si n'a pas entré, dégagez une résolution. Il y a des gens qui ont juste dit.
Il y a des gens qui ont juste dit, Américain, et un problème, non, souvent, avec que, et bien, là, qu'on s'est passé, mais comme aucun pouvoir et de décision en Haïti, sous Haïti, mais juste prendre des décisions qui permettent que les problèmes qui viennent en Haïti résoudent. Avec des gens qui croient que c'est l'Amérique qui a résolu le problème en Haïti. Il y a des gens qui croient ça, parce que juste qu'on est que, il n'y a pas rien qui a fait en Haïti, que les États-Unis n'ont pas de mot pour le dire. Ok? Il y a des gens qui comme ça, ils comprennent. Et pas de trois moyens, non, vous dites le contraire. Parce que si en pile fois, c'est les États-Unis qui décident qui est le chef en Haïti, et Owen, qui est le président, qui est le premier ministre, qui est le chef de la police, mais quelque part, ils ont décidé si vous payez et Owen, je ne résultat, je ne souffre dans tel niveau, ils ont fait tout. Ok? Maintenant, par rapport à la police, si moi, il y a des gens qui ont juste dit, mon cher, vous pensez que LB a passé un ordre et par rapport à l'ambassade américaine pour que vous exécutez, même si vous connaissez manifestement illégal. Oui, mais il y a écrit noir sur blanc que vous va et baronnet exécuter un ordre qui est manifestement illégal. Et vous lisez comme ça. Vous lisez comme ça. Oui, on a des gens qui ont juste dit, ah, j'ai des ambassades américaines à parler là. Il y a des gens qui ont juste dit, Bichat, c'est deux ambassades américaines qui ont parlé. Et je pense que c'est LBK intimé l'ordre de la police ou que il a fait usage de gaz, ok? Devant l'ambassade là pour faire mon et disperser, quitter l'espace là. Est-ce que vous pensez, Owen, n'y aura décidé le contraire? Mais ils font un choix. Ils font un choix. Monsieur Genele, le fond bail et qu'on connaît la loi Bokoto. Et vous décidez quand même. Et vous avez exécuté pour moi là, c'est un problème. Ce n'est pas même monde qui baille l'autre là qui a un problème, non. Ou même qui entre dans la logique là, ou vient plus mal. Parce que vous avez une possibilité de monter maintenant, mon cher, je ne vais pas mentir, vous avez toujours baillé l'autre là, mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas exécuter ça. Parce que le sang monte dans le chef. Sous-chef, vous voyez? Et la loi qui fait mon chef. C'est là où respecter la loi, ouan, et là pour une décision, la loi beaucoup trop bien comme ça. Mais de vous n'en, de vous n'en arbitrer, ou pas dans la loi, encore mettre quoi même. De vous n'en arbitrer, ou pas chef. Ok. Et un petit bonhomme, il n'y a pas l'empile là, qu'on y a pour le ministre Ariel Henry. Oui, je dis bien, c'est 2 ans théorique d'après, on a le fait pratique. Et je dis, monsieur, manifestation, vous allez guérir. Monsieur dit, non, il y a longtemps, pas fait sport, et il faut aller faire sport. Là, après manifestation, pas besoin d'occuper, c'est sport à faire. Et c'est bon, maintenant, ça n'y est. Donc, pour moi, il pas gain vraiment trois bagages qui ont justifié la brutalité policière par rapport à mon chat. Mon qui était devant l'ambassade là. Bah, c'est que, il y a eu une autre formule pour que, regardez qui Jean et Mounio qui a plus ou moins débloqué devant l'espace. Il y a des gens qui ont juste dit, Bichat, je garantis si on va utiliser force, si on va faire usage de coercition, à utiliser force policière, on va pas faire Mounio quitter. Il y a des gens qui sont comme ça, comprenez. Mais je pense que usage de gaz là, t'as supposé par rapport à Mounio. Et vraiment, dernier recours là. Comprenez? Il a supposé dernier recours là. Mais si vous utilisez avant, et c'est vous qui pouvez une bonne explication pour que ça, vous fait choix ça. Mais moi, il m'a bonnet avec nous, moi pas d'accord. Ok, ça c'est position pas. Je suis pas d'accord que, et, ouen, vous fait mon nous ça.